Bonsoir les gars, je suis grippé mais je ne peux pas rester tranquille, je suis malade. Faut pas être cassé devant vous ici. Hein. Bonsoir Gétou, il y a longtemps, hein, ma mère épouse Claudio, Madame Ndiore, sois salué, Olivier, depuis ton bord, Clarisse Kwaku, soyez salué. Si je casse là, pardonnez, mais je sors de ma grippe, donc. Mais calmons là, je ne peux pas les laisser pour moi seul. Ah, ça va se savoir. Comment vous allez? Ça va? Ah, on est dans nuit ici. Froid ou froid? Froid qui est dehors là, c'est pas pour les petits. Hein? Il fait tellement froid. Yo, ma. Clarisse, ma Clau. Qui m'appelle. Poser question encore. Gros bisous aux oies, ça va? Martine, ainsi à qui si. Merci. Merci, ma grande dame. Soyez saluée, invitée. Aujourd'hui, vais parler un peu parce que ça fait quelques jours que je ne fais pas de vidéo. Ce n'est pas que je ne vois pas les actualités sur les réseaux sociaux. La sœur Digbo Dogui, depuis ton bord, grande dame, sois saluée. Yo, Madame Diodès, yeah, merci beaucoup. C'est la grippe qui, voilà, qui est partie avec moi. Ah, je pense qu'elle est laissée. Je vous laisse pas, on est ensemble. C'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. Raymond Akabilé, vaillant combattant, sois salué. Voilà. Aujourd'hui, je veux reprendre qui? Toukebo. Ah, ah Toubukebo. Oui. Mes frères Goli, soyez salués. Raymond Konan, soyez salués. Hein? Voilà. Koné Sabati, sois salué, va combattant. Rallonger ma bouche un peu partout. C'est vrai que la dernière fois j'ai vu des têtes de coco, ya yeah! Ça salut, j'ai vu des postes. Moi je vais dire à nos frères GPS et Ivoiriens d'être rassurés. Ouais, on ne va pas vivre constamment dans la peur. Oui. Monsieur Soro Guillaume a fait sa vidéo et dit il est fatigué de les il va rentrer. Il faut voir les araignées. Il faut voir les cafards. Il faut voir les insectes. Ce que les Baoulés appellent mêlés là. Faut les voir s'envoler. Vont, 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 vont. Vous n'êtes pas rassuré.
Votre pouvoir qui est protégé par la France jusqu'à ce que l'armée ivoirienne, vous n'avez pas honte, ils ont fait votre garde là-bas. Vous n'êtes pas rassuré. Et quand on est bête, même, ce n'est pas la peine. Edith Bailly, la sœur, soit saluée. Vont les moutons seulement. Pour vous dire que ce n'est pas des gens la même. Il faut ces personnes là pour abriter nos enfants. Edwige Beke, jolie femme, sois saluée. Voilà pour vous dire que c'est des gens, ils n'en aient rien, ils sont rien. Ils connaissent que la violence. Et la violence là, c'est pas qu'ils sont aussi violents, hein. C'est parce qu'ils ont peur. Voici Akissi Poudine, depuis ton bord. La Sina Dosso, cher frère, depuis ton bord. Mon seul blanc, Jean Gabé, depuis ton bord, sois salué. C'est parce qu'ils ont peur. Ils ne sont pas serrés. Aïe. Tout le monde peut se lever pour dire je m'en vais en Côte d'Ivoire. Mais il faut voir. Depuis, le leader sera dit, il s'en va en Afrique. Que lui, il est fatigué de l'exil. Il rentre de l'exil là. Ouh! Faut voir comment il trempe sur eux. Mon frère, oh, Abel Plus, François Dessal, Zouzou, sois salué. Faut les voir comment ils trempent sur eux. Mais ils jouent les garçons, hein. C'est comme façon. Mes frères Doula la même. Excusez-moi, Blaise Kwame Tano, depuis ton bord, sois salué. Comme façon avant, on était enfant, et puis tu les frappes même, ils sont en bas. Et puis, Christian me lève la façon dont il te fait. C'est comme ça qu'ils sont en train de faire. Matroma Fofana, depuis ton bord, Charlie, Deboué, soyez salués. Yao Jules, soyez salués. Où je suis là, là? Je suis malade, mais je ne les laisse pas. Voici des gens, leur état là, ils sont plus sereins, hein, mais ils n'ont même pas peur de quelqu'un. Si vous voulez parler là, dites-leur comme ça, ben bien. Ils ont peur. Donc, ils prennent leur peur là. Eh, venez seulement. On sait que la France est là. On sait quelque chose là. Même France mélangée à Amérique. Mais Mali, bah, Burkina, bah, c'est parce que Soro cherche la route. Le temps qu'il trouve, j'ai un seul message à passer au grand frère Tidiane. Dieu de feu, depuis ton bord, sois salué. Yolan Kouadio, sois salué. On ne sait jamais. On est en politique. Si un jour, les Ivoiriens te font confiance et puis tu viens passer ce que les fitines, j'entends là, et puis la France va s'arranger avec toi, et puis tu vas protéger les gens de Ouattara là. On ne va pas te laisser toi-même. On est encore sur Facebook. Oui. Bah, Yao, sois salué. Quand tu vas venir, ma petite soeur chérie, Clémentine Trou, sois saluée. Rose Monnier. Ton pouvoir n'est pas serré. C'est Soro qui les moins. Il est leur vent qui fait balancer leur mangue et puis les fruits tombent. Oui. Les gens disent qu'il n'a plus de puissance, il n'a rien. Et donc, s'il était encore quelqu'un là, c'est qu'il y a longtemps, vous avez ramassé vos bagages pour fuir. Voici des gens, ils sont dans un pays, ils prennent la peine d'aller fermer une école normale. Fermer une école, et puis les enfants sont dehors. Parce que Zié Betlen soutient Soro. Ou alors, il est un cousin de Soro. Donc, on s'en va fermer un collège. Tout un groupe scolaire, ils s'en vont fermer et puis tout le monde est dehors. Josué Trésor, Bako, depuis ton port. Aga, Milano, sois salué. Charles, partagé. Ne sont pas sereins. Un pouvoir, un gouvernement, un président qui prend l'avion Grumman pour aller chercher un seul cyberactiviste, ils ne sont pas sereins. Ils ne sont pas sereins. Juste pour venir fouiller dans le téléphone de notre frère activiste là, pour voir si
comment ils s'appellent? Les gens de Bago ne communiquent pas avec eux. Quoi, quand on est au pouvoir et puis on est serré là, on ne fait pas tout ça là. Hein. Karamogo Diomandé, depuis ton bord, partagé. Georges Kouakou, sois salué, cher frère. Ils ne sont pas serrés. Et leurs militants aussi, ils ont peur. Donc, pour pouvoir les rassurer là, ils s'en vont ramasser tous les militaires du 43e Douma là pour venir se promener. Et ils étaient plus nombreux que ça au Niger. Les Français là, ils étaient nombreux là-bas. Hein. Ils avaient même fait siège. Excusez-moi, ils font nourriture Facebook. Désolé, désolé. Ne vous blaguez pas. La France n'a pas d'amis. La France a des intérêts. Grand frère, Philippe Nyombé, tu es là et puis tu laisses la commission pour tourner à Tiam. On peut l'aimer comme notre frère. Kouadiani, sois salué. On peut l'aimer. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit être ouverte. Tout le monde doit venir se présenter. Mais celui qui se présente là, façon les Ivoiriens sont en train de souffrir, en train de pleurer là. Si la France vient avec les États-Unis, Karim Agnew, par la force des choses que M. Tiam vient au pouvoir, s'il maintient le frère de M. Alassane Ouattara comme ministre de la Défense, c'est que lui-même n'a pas dit qu'il va gérer les Ivoiriens. S'il protège Alassane Ouattara, c'est qu'il n'a pas dit qu'il va gérer les Ivoiriens. Parce que dans un pays que les gens sont en train de gérer la Côte d'Ivoire comme ça, ce n'est pas normal. Actuellement, là, eux-mêmes, leurs enfants, là, il n'y a pas un de ces enfants de Tiandja Camara qui est en Côte d'Ivoire, qui fréquente peut-être celle qui ils vont prendre pour se marier entre eux, ministres là-bas. Isabelle Gobé, sois saluée. Prenez un avion de l'État, prends l'argent du contribuable ivoirien. Pendant que les Ivoiriens ne gagnent pas du boulot, pendant que dans les hôpitaux, les Ivoiriens travaillent, on ne les paye pas, on prend un avion et puis on s'en va chercher une seule personne en Mauritanie pour venir. Vous n'êtes pas serein. Kwadio Kwaku, Seigneur, sois salué. Vous n'êtes pas serein. Avant de continuer, j'ai voulu revenir sur un poste que je pense que c'est un frère Soros qui a fait ce poste-là, sublé goûté. Frères, c'est vrai. Vous connaissez mon amour pour Soros. Dans ce pays-là, chacun des politiques là, a fait quelque chose. Sauf nous, on est innocents. Aujourd'hui, on a mal au cœur, on vient parler et puis l'État l'avait déversé toute la faute sur nous. Nous, moi et Léonore Kouamé, je suis assise là. Aucune famille ne connaît ce qu'on appelle rébellion. Vous comprenez? Léonore Kouamé est assise dans son coin, comme tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Hey, je te ferme là, tu veux sortir. Comme tous les autres Ivoiriens. Nous, on était assis en Côte d'Ivoire, tranquille, hein? Ce pouvoir-là s'en va louer une rébellion pour venir nous imposer. Et aujourd'hui, eux, ils se comportent comme si c'est nous qui étions là, cadeau, là. Nous, on n'a rien fait. Nous, on était là, cadeau. Nous, on était dans notre Côte d'Ivoire, là. On ne savait même pas qu'ils étaient en train de préparer un coup d'État. Comme Steve Biko, qui est, lui, on suit un leader. On est assez tranquille dans notre coin. On ne faisait pas de la politique. On était des suiveurs seulement. Vous allez fabriquer vos trucs. Vous venez nous donner. Aujourd'hui, monsieur le gouvernement, ils sont assis comme si. Et puis, ils sont aux aguets comme si c'est les Ivoiriens qui sont allés chercher coup d'État pour venir leur donner. Hein. Et puis, eux-mêmes, ils ont oublié ce qu'ils ont fait pendant que dans leur gouvernement, dans leur armée, là, il y a des chefs de guerre. Les chefs de guerre sont dans leur armée. Viens te bloquer. Moi, mon commis, là, on ne parle pas beaucoup ici. Je n'ai pas besoin de faire celui ici, banni. Moi, il ne parle pas beaucoup ici. Oh. Ah.
Ça, là, on a trop compris. Parce que comme façon, eux, ils gèrent le pays, là. Si tu n'es pas avec Alassane Ouattara, tu ne dois pas être en Côte d'Ivoire. Si moi, je suis en France, ici, là. Ah, moi aussi, je ne suis pas au Burkina. Soro, là, où vous voulez, vous voulez pas, c'est votre bienfaiteur. C'est grâce à Soro qu'aujourd'hui, certaines personnes du Nord portent veste aujourd'hui pour se promener. C'est grâce à lui. Donc, aujourd'hui, pour voir que vous êtes dedans, c'est pas autre région de la Côte d'Ivoire que ça arrange. C'est vous, le Nord. Et le Nord, comment même encore? Et le Nord, comment encore? Comme je disais que je voulais parler d'un poste, j'ai vu l'interview de M. Blé Goudé. Oui, j'ai vu, j'ai écouté. Moi, je ne suis pas militante mouton, hein. Voilà. Koulière, Waba, Zougourou, bonsoir. Moi, je ne suis pas militante mouton. Il y en a qui vont prendre la vidéo de Blé Goudé là pour venir me donner. Regarde ce qu'il est en train de dire du patron. Regarde ce que. Moi, je ne suis pas comme ça. Hein. C'est à cause de ça que les gens n'arrivent pas à me cerner. Parce que souvent, ils se disent, tu es de quel côté même au juste? Prenant des sommes, soit salué. Parce que les gens n'arrivent pas à me cerner. Parce que je suis ivoirien. Si mon patron n'a pas raison, il lui dit il n'a pas raison. Ce que Blé Goudé a dit là, c'est quoi vous avez trouvé trop. Ah, ça, c'est un peu de souris, ceux qui prennent les trucs pour se promener là. C'est quoi qui était grave dedans? Il est parti jusqu'à sur un plateau télé. Celui qui se rige, le dessin animé qui se rige en animateur dans, on dirait, Tortue Ninja. Visage pareil avec Tortue Ninja. Tortue Ninja qui a porté veste, qui est sur les plateaux télé où les Ivoiriens payent leur redevance là. Ce vilain type-là. Il a voulu forcément que Blé Boudé allume Soro. Mais soit salué, adieu Marie-Thérèse, soit salué. Cette tortue ninja, ninja au moins il est quelqu'un. Cette tortue sans carapace là. Jean-Louis, depuis sa cendre, soit salué. Il voulait que Blé Goudé allume Soro. Comme si. La rébellion là, c'est Blé Goudé s'est arrangé que c'est pas lui vilain, lui laid là. Que aujourd'hui, à cause de ce rôle, lui il peut porter veste comme une tortue pour venir s'arrêter sur un plateau télé pour parler. Samira Kouakou, ça va ma fille? Voilà, tu vous fouilles depuis ton bord et Jeanne Yao. Ok, j'ai été bloqué. Moi, je vous dis la chose, Binette Kwame, depuis ton bord, sois salué. 8 heures tandis, je t'ai salué. Où je suis ici, là? Moi, ma télévision, là, je suis comme M. Alassane Ouattara. Je suis la directrice. Je suis la sous-directrice. Ou bien, je vous dis là, vous ne comprenez pas, je suis membre. Qu'est-ce que je peux dire encore? Je suis secrétaire. C'est moi qui suis dans la télévision, c'est moi la directrice, présidente en même temps. Quand vous voyez certains, Edith Morin, que les vrais animateurs, quand tu vois des gens comme des jeunes, comme Jean-Michel Aunay, parce qu'il a interviewé d'état dans l'histoire de la terre, de cette terre, on l'a radié le lendemain de la télévision. Mais on prend quelqu'un comme cette tortue, la tortue, le vilain, le laid, avec ses dents, on dirait râteau là. On le prend pour venir s'asseoir
sur une télévision où les Ivoiriens payent la redevance pour que Blaise Goudé allume Soro. Peut-être c'est toi qui ne sais pas d'où vient Blaise Goudé et Soro. Mon bébé chou, Nina Begré, sois salué. Peut-être c'est toi qui ne sais pas, vilain garçon. C'est-à-dire, malgré tout l'argent qu'on défait sur toi, avec votre petit Soroka qui est assis, qui se dit Spikirine ou bien quoi, la petite Soroka, je vais mal peigner, qui est assis sur votre manchette, qui veut que, vraiment, quand aujourd'hui, quelqu'un vient comme ça, là, tout le monde n'a qu'à dire Soro, l'assassin, quoi. Mais votre père qui est là-bas, là, qui a payé tout ce qui tue les gens pour donner? Je ne pense pas que toi-même, avec votre tortue Niga qui s'est érigé un animateur, la forcé, là, qui pose les questions et ses narines sont vertes comme cocotti, comme pour boire. Et puis quand il veut parler, mais il veut parler tout le monde pour passer, et puis lui, il va venir. Et quand on est laid, maman a raison, hein, ton comportement aussi vilain. Avec la petite Soroka, et c'est pas c'est Mauritanien ou bien c'est un Bangladesh pendant la guerre qui est venu la chier pour laisser là-bas. Là. C'est eux, ils s'asseyent. Toi, comme ça, si il a fallu que Soro aujourd'hui soit handicapé, que toi, petite Soroka, la petite Soroka est ton tortue ninja, là, vous venez vous asseoir sur une télévision. Je ne sais pas si c'est normal ou bien quoi, parce que maintenant c'est Facebook qui est notre télévision. Ma soeur Chantal, camarade Diarra, depuis ton bon soir, salué. Pour que Blaise Goudé allume Soro. Mais j'espère que tu as écouté ces proverbes. Ce qui est bien chez eux, tellement leur cerveau là, c'est devenu, si c'est en auto-école, on va dire chemin sans issue. Tout leur sujet, c'est Soro. Soro est devenu leur plan de gouvernance. Tout le monde n'a qu'à venir insulter Soro. Mais si vous étiez, votre cerveau là, ce n'était pas un chemin sans issue là. Quand on parle de Soro, si vous voulez qu'on insulte Soro, le reste, là, c'est pour Alassane Ouattara. Vous comprenez? Parce que vous êtes là, là, tous là. Vous êtes là, vous, les gens comme ça, là. On doit vous appeler grâce à. Grâce à. Vous tous là, de la tête aux pieds, c'est grâce à. Grâce à Kibafori. Grâce à Soro. Qu'aujourd'hui, vous, là, vous faites le gros dos dans Côte d'Ivoire, là. Tout le monde vous connaît. Et tout le monde sait que vous n'avez pas honte. Et vous qui êtes venu engraisser les Ivoiriens, là, c'est vous qui vous la pétez dans ce pays-là. Et donc, pour revenir à ce que je dis, à cause de ça, je suis parti sur ces soi-disant animateurs, une Soroka et puis une tortue ninja. Un frère a fait un poste. Normalement, nous, les Soroïs, on ne se critique pas. Mais de grâce, Blaise Goudé n'a pas insulté Soro. Parce que pour vous, là, il a insulté. Mais Soro aussi lui a fait, dit des coups aussi, il a fait des coups aussi. C'est politique, hein? Encore Blaise, gentil. Hein? Parce que quand tu écoutes, au moment où les gens faisaient la popularisation pour que Soro, d'autres l'ont blagué, il a écrit le livre aujourd'hui, Rébellion est resté sur lui seul, d'autres le poussaient, il est venu, il a dit que quand on ne se reproche rien, on doit rentrer dans notre pays. Mais sur place, la Blaise Goudé pouvait reprendre la même chose. Hein?
Et pour faire la même chose, donc pour moi, là, nous, c'est Soro, on connaît. Mais il ne faut pas qu'on va faire comme les militants de ceux-là. Les critiques ils vont faire à notre leader, là. C'est nous, on est papa de Facebook. On peut reprendre ça. Depuis quand Soro a fait le discours là? Il y a des militants. Tout le monde veut devenir activiste. Hein. Je suis assis ici, je vous regarde. Oui. Soro vous a pas dit qu'il s'en va en Côte d'Ivoire. Il dit qu'il rentre de l'exil. Maintenant, où il va déposer sa valise, c'est Dieu qui a le guidé. Maintenant, vos histoires de Ambiko, là, on a qu'à arrêter un peu. Nous, on a fait nous, notre travail qu'on devait faire. On est sorti. Il ne veut pas venir mélanger les parts du monsieur. Toujours venir se montrer pour dire que c'est nous, là. Militant, ton militant ou ta militante première, là, c'est moi. Tu vois, j'organise toujours. Organisation, il faut qu'on l'a arrêté. Jeanne d'Arc et Oumar soient salués. Organisation Floco, c'est une seule tête, on voit. C'est moi et Mimi dans l'oreille de Soro. C'est moi et lui fait clin d'œil, quoi. Arrêtez ça, hein. On connaît ça. Vous avez fait ça là, on est en quoi, si. Aujourd'hui, c'est lui-même, il a fait une vidéo, il dit, il est fatigué de l'exil. Donc, les guémés, là, calmez-vous. Ouais, il faut vous calmer. Il faut qu'on soit sage. Ce que Soro n'a pas dit, c'est ce que vous venez pour vouloir vous montrer. Je ne suis pas d'accord pour beaucoup de choses. Cible dit quelque chose de déplacé là. Les activistes de Soro sont là. Je reviendrai. Viens me trouver. Mon fils Guy Rodrigue, Guy Rodolphe Kadio, sois salué. Sabine Doucouré, depuis ton port. C'est-à-dire, donc, lui, notre leader Soro, on doit le mettre dans la main, et Blé Bouté doit le mettre comme ça, le laver, mettre poudre, mettre parfum, mettre tant, tant, tant. Nous-mêmes, là, nous, on sait qu'on est les enfants mal aimés, on n'a pas besoin d'amour d'autrui. Et l'on a quand même l'aime déjà. Nous, on n'a pas besoin d'amour d'autrui. On l'aime, c'est ça. On ne l'aime pas, c'est ça. Fofana, fof. Depuis ta position, sois saluée. Ma soeur, Bintou Kone, Kanouté, la jolie, sois saluée. Kevin Akpa, sois saluée. Mais si, soit Monsieur Laurent Gbagbo va se tromper sur quelque chose, et puis les activistes vont se lever. Ah, pourquoi il a dit ça? On a fait ça là depuis 2019, on est encore ici. Activiste de nuit, l'activiste de nuit, là. Non! Faut qu'on se mette ensemble. Oui. Faut qu'on se mette ensemble. Les militants premiers de Soro, là, on connaît ça. Nous tous, là, tous ceux qui viennent d'arriver, qui sont où, après sa déclaration, ça a augmenté. Tous ceux qui viennent là, laissez-les la place. Mon fils Fédéral 00, sois salué. Nicolas Dantin, depuis ton bord. Nous qui venons derrière, Monsieur Soro, là, on vient d'arriver derrière. Vous ne savez pas où il est passé à Eblé-Boudé, et puis aujourd'hui, ils sont arrivés comme là. Vous ne connaissez pas leur politique qu'ils ont mis en place. Vous ne connaissez pas. Donc, si Eblé-Boudé dit quelque chose, et moi, ce que j'ai entendu, ah oui, ce que je pense là, vous aussi, vous pouvez, il répondait au crapaud là, à la grenouille là, qui est assise sur chose. Vous ne voyez pas que ce monsieur, il ressemble vraiment à un crapaud? Je l'ai pris en photo. Ces dents-là, on dirait qu'il ne mange pas avec. Lui, a la srocade mousseau là. Il voulait forcément. Yacouba, salué, sois salué. Jésus, Séverin, depuis ton bord, soyez salué. Parfait, Kouassi, soyez salué. Il ne faudrait pas qu'on fasse ce genre de politique, de communication encore. Il faut plus qu'on fasse ça. Parce que M. Soro a annoncé, donc tout le monde veut devenir activiste. Tout le monde veut se lever pour venir écrire. Oh, les soroïstes là font des vidéos ici.
On allait, nous on te soutient, tu es notre leader, on est derrière toi. Et puis pour peu de choses, ils se lèvent, ils invitent tous les autres partis politiques pour aller s'asseoir. On ne fait même pas les mêmes têtes et les mêmes figures. Ndassese, sois salué. Sont là. On n'a qu'à arrêter. On a couru jusqu'à on est fatigué. Il faut qu'il y ait l'union de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il y ait cette union. Depuis quand M. Soro a annoncé qu'il est fatigué de les îles, que les femmes ivoiriennes ont vu l'image de Soro. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas dit, nous-mêmes, on va aller au GPS, il n'a qu'à venir nous tuer. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas dit ça. Donc, vous qui êtes devant pour en train de lutter place alors qu'on n'est pas encore arrivé là, il faut vous calmer. Vraiment qu'on soit salué. Actuellement, on est là, dans la gueule de l'île, on n'est même pas arrivé quelque part. Il y en a qui cherchent à se positionner. Où positionner pour avoir quoi, pour faire quoi? Hein? Laissez la route là au monsieur travailler. On a fait notre part. 2019, Pro Gbagbo, Pro Blé Couteau, tout le monde, les civils, ceux qui font politique, PDCI, pas chose. En ce moment, Afi était encore dans la République. C'est Niamien Kona, non? Avec tous les militants, là, on se retrouvait la Dream Team, on faisait des réunions. Et puis, c'est nous tous là, avec les mamans, Léontine Topo, on se retrouvait au Trocadéro pour faire les beaux jours, pour montrer à la France que les Ivoiriens sont ici. Mais il y a certaines personnes qui aiment trop la récupération. Et ça, c'est depuis crèche pas. Ils aiment la récupération. Il faut qu'on se parle, on se dit les vérités pour que Amba Nyéré sorte. Il n'y a pas quelqu'un qui murmure dans l'oreille des autres. Tu viens d'arriver, on est sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas quelqu'un qui attend là il y a longtemps. Nous tous, on vient d'arriver. Blé Boudé dit quelque chose que ça nous fait mal là, chez Soro là, les parkings sont partagés. Il y a les activistes, il y a ceux qui sont nommés. Vous êtes nommés là, vous n'êtes pas activistes. Restez là-bas, faites les choses qu'il y a à faire. OK? Voilà. Ceux qui sont. Qui sont enseignants et puis on ferme l'école là. Vous comprenez? Donc aujourd'hui là, en tant que sur... parce que au moment la personne a fait le poste, je pouvais répondre du coup, mais j'étais tellement grippé, je l'ai pas fait. Mais il faut que je revienne dessus pour dire que maman a dit la grâce pour dire que ce sera là. C'est pas une confrérie. Voilà. Parti politique où tu fais seulement, on fait comme la République en marche, chacun s'inscrit. Où tu t'es inscrit là, tu es militant comme ça, lui il te voit. Tu es militant comme ça, il ne faut pas que quelqu'un va te blaguer. Il y en a même, ils cherchent à joindre des personnes pour s'inscrire là. Ils vont appeler le monde entier, personne ne va répondre. Mais pour peu seulement, ils se rabattent en catimini. Et ils s'en vont ici, ils s'en vont ici, les meilleurs militaires. Les braves militants là, à nous rouler, c'est nous. C'est nous, on n'est pas comme chez eux là-bas. Monsieur Soro est jeune. Tous ceux qui. Vous voyez Maître Afouzeta Baba Lamine, elle est jeune. Vous voyez les Tsou, il est jeune. Vous voyez notre grand frère, Issiaka Fofana, il est comment? Il n'est pas vieux. Vous voyez Touré Mamadou, vous voyez les Franklin Yamsi. C'est à cause de ça. Souvent, Franklin est dans son coin. Oh, fallait même pas l'écouter, même je l'ai banni de mon direct. Vous voyez, Blé, ce qu'il a fait, nous, notre leader n'avait pas fait ça en son temps, quand il était fort. De toute façon, il était assis sur la télévision du RDR. Et puis, la réponse qu'il a donnée là. La réponse qu'il a donnée là. Franchement, dites la vérité. Parce que quand la tortue
voulait que il savonne Soro. Il a mis la vidéo que Soro avait dit quand Blegoudé était en exil. Mais vous aussi, il faut analyser. Il faut compatir. Il faut avoir la compassion pour autrui. Qu'une fois tu es à terre, là, on n'a pas besoin de tirer sur toi. Et donc, moi, pour moi, la réponse de Blé, là, je ne vois pas ce qu'il a dit de violent. Pour qu'on vienne faire des postes, ou après, vous voyez ce que Blé a dit. Vous voyez ce que. Pour qu'on s'affronte à une chose. On n'est pas fatigué de ça. On est fatigué. C'est des politiciens. S'ils seraient au pays là-bas, ils vont se cogner plus que ça. Nous, notre rôle là, c'est quoi? On doit tout faire pour que notre patron rentre. C'est tout. Maintenant, on dit qu'on a toujours les mêmes figures, même tête, on se ramasse ici, ils rient, on s'en va, rire, on s'en va, comme façon, ils font au pays, et puis nous-mêmes, on se moque là. On a qu'à arrêter ça, ça aura trop de militants. Hein. En faisant ça en 4 minutes, toujours, Eric, il y a longtemps, hein? Hein? C'est dit, vous bien, comment on lit, pardon. Kevin n'a pas. Ça lui. Donc, vraiment, je voulais un peu parler sur ça. Pour moi, c'est politique. Ce qu'il a dit là, Blé a dit, je ne vois pas ce qui est important. Lui-même, il sait. S'il a cogné, on a cogné. Mais maintenant, là, chacun n'a qu'à rester dans son parking. Voilà. Nous, là, les activistes, on a pas été nommé parce que d'après vous là auprès de ce rôle là-bas que nous on insulte les gens comme si on est fou et puis on insulte cadeau nous là on n'est pas nommé on vous a nommé faites votre travail là-bas tout ce qui est activiste sur les réseaux sociaux là ça c'est notre bureau laissez-nous ici voilà laissez-nous ici si quelqu'un n'a pas dit quelque chose de mauvais. Ne cherchez pas à faire le montage, monter cela contre, monter cela. Il pouvait faire pareil pour faire comme façon notre patron quand il était en position de force, force là. Et il a dit. Et oui, Hervé Kouakou, pardon, je ne t'avais pas vu. OK? Mouna Mirak, sois salué. Donc, je reviens un peu à nous les Ivoiriens. Chers Ivoiriens. Je suis un peu diminué pour nous parler. Taflo, depuis ton bord. Depuis quelque temps, je suis des débats sur TikTok, comme sur les militants de Ouattara, tout le monde les connaît. Ils ont fait même jusqu'à tous les Africains les connaissent maintenant. Parce que comme d'après eux, c'est Eleonore qui ne parle pas français. Mais vous ne comprenez pas français, vous êtes handicapé. Et puis, des intellectuels font leur débat d'idées et vous pensez que c'est pour aller prendre boîte sardine, pour aller encore, vous allez partir parler d'Alassane Ouattara. Vous ne voyez pas que les Africains vous humilient. Et si vous restez dans votre coin là, parce que bientôt vous allez tomber. Hein? Bientôt là. Vous allez tomber parce que vous-même, vous avez vu. Non, le frère Alexandre, je n'étais pas au courant. Hein. C'est des trucs, je n'étais pas au courant, s'il te plaît. C'est, vous voyez, eux-mêmes, ils savent que c'est fini pour eux. Donc, ils ont quoi maintenant pour se défendre? La violence verbale, puisque c'est la force là. Eux-mêmes, ils savent que ils voient rien. Ils savent que eux, là, ils ne peuvent pas se battre. Avec qui? Ayoub, Abidi, Bété, Dida, Gouro. Avec qui ils vont se battre? C'est leur gueule. On les connaît comme ça. C'est leur gueule seulement. C'est âme qu'ils ont attrapé là. Ils se croient cassants. Sinon, ils n'ont pas la force. À l'heure où l'Afrique du Sahel. Ils sont en train d'essayer de nous donner d'indépendance. C'est maintenant là. D'autres sont en train de taper leurs pieds pour aller chez les vieux. Aïe! Si tu es vieux aussi, que tu ne respectes pas la jeunesse, on ne va pas te dire la vérité aussi. Aujourd'hui où le Burkina est en train d'essayer de faire le nettoyage chez lui pour fondre son or là-bas. Pour nous, là, on prend ça cadeau pour donner aux gens, pour dire oui.
comme les autres m'ont laissé. Nous, ici, dans l'Union européenne, nous, on n'a plus le poids, donc on va prendre la Côte d'Ivoire en otage et attrapez-nous bien. Attrapez-nous bien. Les Ivoiriens, chacun de nous a un comportement. Africain, chacun de nous a un comportement. Mais c'est mieux, on va s'attraper. OK? Il faut qu'on s'attrape bien. L'union, ça ne va pas arranger les enfants d'autrui qui sont en Côte d'Ivoire là-bas. Notre union, là, ça ne va pas les arranger. Comme façon, je suis en train de dire pour Blaise Goûté et Soro, là. Si quelqu'un dit que Blaise Goûté a insulté Soro, tu dis, je m'en fous. Si quelqu'un de Soro dit que, ah, les gens de Soro, là, ils ont insulté les gens de Blaise Goûté, vous dites, on s'en fout. Vous allez voir. Ils vont changer de bouche. Déjà, ils ont peur. C'est eux, ils ont essayé, mais ils ont peur. Diarra Aruna. Ils ont peur. Parce qu'ils savent que. Attends, ils ont quel encore? Ils ont quelque chose qui les tient? Est-ce que la France va quitter en France ici pour aller les défendre en Côte d'Ivoire là-bas? C'est diversion, Jean-Marie Anneau. C'est diversion qu'ils sont en train de faire. Mais les Ivoiriens, ce n'est pas, c'est parce que. Il y a Solibra encore en Côte d'Ivoire. Ouais. Quoi, c'est Victory, soit salué. Mon frère Mohamed Sanogo, depuis ton bord. Je ne sais pas si c'est Solibra là. Ouais. On peut être d'accord ici à une réunion pour dire oui, on doit être soudé. Mais quand la personne prend son poki là, quand tu lui parles, il lui met ce qu'il va te répondre, tu ne sais pas c'est quoi il t'a répondu. Voici ouais, des gens qui disent qu'ils sont forts en Afrique. Qui font même pas sur les Ivoiriens, et puis les Ivoiriens ne parlent pas. Même le silence des Ivoiriens font peur. Le silence des Ivoiriens fait peur à ce pouvoir-là. Donc, il reste quoi? Ils défaissent leurs militants, là, qui savent que demain, ils peuvent partir, et puis ils vont perdre les passeports, là. Ils prient Dieu pour voyager avant que les 10 ans arrivent, là. Donc, ils tremblent comme ça. Ils tremblent comme ça. Et puis maintenant, ils n'ont plus de parole. C'est les injures. Mais vous allez partir. Partir du pouvoir, là. Est-ce que c'est la fin du monde? Il a fallu que quelqu'un parte, que vous veniez au pouvoir. Mais votre temps arrivé, pour vous, là, c'est dessiné dans vos yeux. Vous savez que votre pouvoir, là, c'est fini. La peur a changé de camp. Les opposants, vous dites qu'il n'y a pas d'opposition. Mais les Ivoiriens sont ainsi. Ils ne vous disent rien. Ils vous regardent seulement. Le silence des Ivoiriens, là, c'est en train de vous faire trembler. Vous promenez sur tous les réseaux sociaux. Chez les Maliens, vous êtes là-bas. Chez les Burkinabés, vous êtes là-bas. Chez les Guinéens, vous êtes là-bas. Et pas en bien, vous insultez les gens. Et les gens, il y a un qui s'appelle Camille Makoso. Toi là, Camille. toi seulement, toi. Va provoquer les gens. C'est toi, tu ne peux pas rester dans ton pays. Tu vas faire église partout. Mais c'est toi, ta bouche là, est dans toutes les choses des gens. Mais quand tu t'en vas provoquer les gens, tu ne vas pas avec le nom de tes deux pays. Toujours c'est la Côte d'Ivoire, ils vont insulter. Et le pays que tu portes leur nom là, pourquoi tu ne leur donnes pas, ils vont les insulter aussi. Toujours c'est toi qui traînes le nom de Côte d'Ivoire partout. Dans quelle famille se trouve Makoso en Côte d'Ivoire là-bas? Il faut arrêter de promener notre nom partout. Mon fils, Aturo, sois salué. Hélène, Adjoa, sois salué. Soyez salué, je n'ai pas vu les autres noms. C'est-à-dire, c'est lui qui s'est parlé sur Soro. Toi, au moment où les gens qui sont au pouvoir, tu es en train de manger aujourd'hui, faisaient leur guerre, tu étais en prison. Tu ne savais pas comment guerre est venue en Côte d'Ivoire. C'est toi qui sais l'ouvrir. Toi qui n'as pas remué, manqué, et puis fuyait, tombé, tu es en train de manger là. Toi, tu es comme Eleonore Kwame ici. Nous deux là, on a attrapé à une fois. Et c'est toi, tu sais aller parler sur son regard. Faut bien t'attraper.
Faut bien t'attraper des petits. Ton ouré ouré, toi. Adama Diallo, sois salué. Je dis, c'est vous qui êtes paniqué. Normalement, un pouvoir doit être serré. Aujourd'hui, vous faites même plus confiance à votre propre armée, c'est pour aller ramasser, tu vois, les gens qui se veillent en Côte d'Ivoire, c'est blanc. On est revenu au temps, au temps des colons. Au temps des colons. Vous n'êtes pas courageux ou bien quoi? Les Ivoiriens doivent plus faire, vous faire confiance. Puisqu'on est dans le pays là, au Burkina là, c'est les Burkinabés qui se battent, là-bas, les militaires burkinabés. Au Mali, pareil. Et Niger, idem. Guinée, idem. Tchad, idem. Mais pour Côte d'Ivoire là, c'est Gratté qui est dans l'armée là. Tellement ils ont peur. Ah, mon cher, baissez-vous. Donc, quand on pile bien et puis on donne là, on mange, ça te plaît. Et puis toi, tu casses ignoble en deux pour donner aux gens pour manger. On tombe. Like ancien gars, dans la ville, sur cette terre-là, ici, là, chaque chose à son temps. Sur cette terre, chacun son tour. Papa, si toi, ton tour est arrivé là, faut partir. Michel Duti, depuis ton bord, sois salué. Salomon Kwaku, sois salué. Ce que je veux dire à mes frères, les militants de M. Ouattara, arrêtez d'aller humilier les Ivoiriens, le nom des Ivoiriens, sur toutes les plateformes que vous n'avez même pas le niveau d'aller débattre. Vous emmenez au Burkina, ils vous disent un mot seulement, vous êtes KO. Vous partez au Mali, oh là là. Vous partez en Guinée, oh là là. Mais c'est où vous allez partir? Nous sommes les gens de l'Afrique de l'Ouest. Bema Sanogo, sois salué. Nous sommes de l'Afrique de l'Ouest. Normalement, c'est entre nous, Afrique de l'Ouest, on doit s'attraper. Maintenant, votre panthère qui est là, le vieux panthère, ne veut pas camaraderie. Il veut faire peur à tout le monde. Il veut faire peur à tout le monde. Maintenant, tout le monde l'a laissé. Ben Sanogo, sois salué. Quand vous regardez au Burkina, là, mon fils qui est là-bas, là, ce n'est pas qu'il ne te respecte pas, hein, Ibé président, mais tu es mon fils. Ce n'est pas un rien petit-fils de votre président, là, ça. L'enfant ne doit pas même faire quatre pattes en temps normal, ancien, pour lui dire, grand-père, faut venir faire ça. Hein? Donc, vous, que dans l'ancien temps, on appelle sage, on appelle des sages, que ce soit le président ghanéen, que ce soit pour Nigeria, c'est vous comme ça, là, on doit appeler. Il dit quoi? Je ne sais pas s'il faut te bloquer, j'attends encore. Donc, papa Ouattara, quand on veut manger un moineau là, il faut le plumer d'abord. On ne le mange pas avec ses plumes. Oui, à force de dire je vais. Je vais, un jour, la personne s'arrête. C'est ce que M. Sourou fait maintenant. Il s'est arrêté. Il dit, je ne cours plus. Au lieu de chercher, prendre l'argent des Ivoiriens, payer tous les enquêteurs pour chercher où je suis, au moins voilà où je suis. Quand il va quelque part, il ne se cache pas, il y a la télévision. Si tu veux aller le chercher, tu pourras aller le chercher. Dis à tes militants là, de souffrir doucement. Arrêtez de courir partout. Amouni en fait mal.
Est-ce que on peut faire cette figure de papa au sol comme ça? C'est parce que tes militants en bouche, là, ils parlent encore. Tu me cherches, tu me cherches. Bon, je suis ici maintenant. Viens me chercher. C'est ce que j'avais dit. Maintenant, eux, ils s'en vont tourner tellement ils ont peur. Si les garçons, ils n'ont qu'à descendre en Côte d'Ivoire ici. Et il n'y a plus de garçons que ça. Que quelqu'un te dit, je suis ici. Parce que moi, je ne suis pas sûr que Soro est en train de chercher Ouattara. C'est Ouattara qui le cherche. Maintenant, il dit, il ne faut plus me chercher, je suis ici. Viens me chercher. Tu vois, avant qu'on parle fait par la on n'a pas la l'école. On tranche comme ça. Et puis, on dit, moi, je suis ici. Il faut passer. Lui, que son cœur gratte là. Il passe. Et puis, voilà, Asraklo. Mais lui, il vous a montré où il est. Allez le chercher. Non, arrêtez d'emmerder les Ivoiriens. Il a tracé très sur Amoureux Bankaka qu'on a coffé. Maintenant, vous n'allez pas partir le chercher. Hein? C'est pour vous arrêter. Comme il est au bout. Il n'a qu'à arriver au Mali d'abord. Déjà, il était au Niger. Ces petits vont là. Hey, Burkina, seulement, il ne faut pas arriver là-bas. Pourtant, Burkina s'est gâté, ils ne peuvent pas se parler. Mais du coup, à cause de Soro, ils sont devenus camarades au Burkina. Ah, ce qu'il a fait là, il ne peut pas mettre pied là-bas. Soro, ce que vous dites qu'il ne peut pas, c'est ce qu'il fait. Mon bébé, chocolat, ma petite, la guerre, faut piquer où tu veux. Voilà, là, après le Burkina, ils vont dire, oh, c'est parce que chose, ils sont cassés, les garçons, ils n'ont qu'à aller au Mali. Amou Grao. Amou Grao. Si les garçons, lui, il n'a pas dit qu'il peut faire chose, qu'il s'appelle Bogota, quoi, quoi, il n'a qu'à arriver en Russie. On va voir. Amou Grao, calmez-vous. Il y a un garçon et puis il y a un garçon. Et puis il y a garçon. Il y a plus d'humiliation que ça. On te cherche. On s'en va payer agent secret. Vous prenez taxi jusqu'à vous partez en Turquie. Vous dites que c'est faux. Vous partez ici. Et puis il dit, je ne cours plus. Je suis assis ici. Et puis il fait journal télévisé. Et puis il est assis là comme ça. Et puis papa tourne. Avec son tonton. Hey, ça là, s'il est venu au Burkina, c'est notre origine, on va aller le chercher. Ils font la manière du singe. Quand le singe ne peut pas attraper le fruit qui est au dernier, au sommet de là, oh, ça là, il pense que c'est mieux comme ça. Ça, c'est pourri. Quand ils ont peur, c'est ça. C'est les garçons qui rentrent. Mais Ouattara, mais si les garçons, n'a qu'à aller le chercher. On peut vous retourner ça aussi. Ou bien il est femme. C'est pour lui payer là. Et puis il a mis la main dans la main de son fils. Ça fait deux. Allez le chercher. Il ne peut pas faire quelque chose. Un fruit là-même, c'est perdu. C'est pourri. Moi, vous savez que moi, j'ai votre temps. Quand vous venez là, je vous bloque. Je vous bannis même. Tu pourras pas aller faire truc pour venir sur mon direct encore plus. C'est pour ça que je vais dire à mon grand frère. Je vais dire à mon grand frère, Tidiane Thiam. En tout cas, à cette négociation-là, Maya Anne, faut bien négocier avec la France. Ouattara, ce n'est pas notre camarade. Hein? Façon qu'il a pris chose, comment il s'appelle Blaise Compaoré, et puis il a pris pour aller cacher sous ses ailes à chose là-bas, le jour que ça va changer là. Il n'a qu'à partir avec tous ces mamans qu'il a gardées en Côte d'Ivoire là-bas. Faut pas que je vienne entendre. Grands frères, qu'ils vont dire non, il faut les protéger. Ils n'ont pas protégé les Ivoiriens.
Donc, on n'a pas prison. Eux-mêmes, ils ont créé leur nouvelle prison. Et on dit, on appelle ça PPIC. Il faut aller inaugurer ça. Avant que eux me prennent pour aller, c'est eux-mêmes qui vont aller inaugurer ça. Donc, chez nous, ici, là, d'après lui-même, il a signé, il n'y a plus ces pays. Nous, il a construit que des prisons pour les Ivoiriens. Il est Ivoirien, lui aussi, il ira là-bas. Donc, grand frère, il ne faut pas que je vais entendre. Il y a un entier. Nantike, aswa, aswa, si c'est Biblo, fwemba, c'est ok, que moi, yoli, yenti, amou ye kile, namou yo sa, yi wobi soye. Parce que d'après lui, si tu n'es pas au pouvoir là, tu dois aller en prison. Quand lui, son tour, il est venu, il a trouvé Laurent Gbagbo, il a attrapé à son fils, il les a mis en prison avec sa femme. Donc, si son tour arrive là, lui, son tour là, c'est lui aussi avec sa femme. Parce que lui met sa femme là. Et sa femme, son enfant s'occupe de nos cacao, sa femme s'occupe de tout village de Oufoué qui a disparu et tout, les trucs de Mamie Thérèse Oufoué Boigny, on ne comprend rien dedans. Voilà. Avant que on va lui dire voilà procès, et puis il va dire elle n'a jamais été ivoirienne. Il y a un amour, tiens, voilà. C'est pas Soro qui va venir au pouvoir, et puis lui, il va dire que non. Si c'est Toro même là, il viendra même pas discuter. Comme toi, tu es blanc. Comme toi, tu es dans leur lignée là-bas. Tu es américain, tu es blanc, et tu vas dire, oh non, mais bon, ben, il n'est plus au pouvoir, il n'est plus au pouvoir. Donc, voilà, s'il est venu, ben voilà, il peut partir tranquillement. Ben, Baba, tiens. Il peut partir tranquillement, non, ouais. Parce qu'il y a sur ça, voilà, il y a donc crédit. Tu viens là et on va pas entendre aussi Emmanuel Kanywase, ok ben tiens mais voilà quand il était là le gars de Gbagbo était en prison donc ben, tu les laisses là-bas hein, parce que voilà tchao ça y sera sous Diba Kebagno pouvoir aller donc ce qu'il dit il dit un grand frère tiens là il est en train de dire en français parce que lui-même il sait que il a pris Soro pour son ennemi. Sinon, Soro, oui, il se promène, il nous a jamais dit que M. Ouattara était son ennemi. La preuve, là, comme nous, on a parlé de son papa, il a nommé les gens, il ne nous a pas nommé aussi. Que nous, on parle trop. Voilà. Donc, si lui, si c'est Soro, pas chose comme ça, là, entre, là, les deux se sont dépassés, qu'un a gagné la route pour s'asseoir dans le fauteuil, là. Si c'est Soro qui est assis dedans, lui-même, il ne va pas discuter. S'il voit que Soro est assez net, lui-même, il va venir, il va faire comme ça. Il va faire comme ça. Et puis Soro va le regarder. C'est lui-même, il va venir donner les mains comme ça. Bon, prends. Il va venir faire ça. Bon, prends. Mais si c'est Tiam, comme c'est les deux économistes, un vieux économiste à un jeune économiste, un économiste nommé par complaisance et tout, il va venir s'asseoir et puis Tiam va dire, bon, alors, le grand frère, t'as perdu le pouvoir, et donc voilà, si tu veux aller en France, toi, tu peux partir. Quelqu'un des. Tiens, mais ils sont nous-mêmes. Ce sera nous-mêmes pour voir la Bibiswa. Donc, c'est. Il y a Dibiswa. A fini ça, Fawatra, Fayon, Davoué, Anivarien, Bedingoni. Et si, si, grand frère, il sera un mot, il m'a dit, tu vois. Un petit soro dit, bon, ça, soro soit attendez, il va faire ça, c'est que yo fa, l'équipe famille d'amis dans sa nan gassoa. Maman Douchka Pakoura, sois salué. Grippe en train est finie pour moi. Donc, chers frères et sœurs, voilà, aujourd'hui, là, je suis venu. Il y a longtemps, on ne s'est pas eu. Normalement, je n'avais pas grand vidéo à faire, mais comme c'est en train de mettre du temps, je suis venu, j'ai réagi sur l'émission Café. Le frère Blégoudé, que d'autres trouvent que soit il a mal parlé de Soro. Moi, il dit non, il n'a pas mal parlé de Soro. Taflo, ça va, n'a pas mal parlé de Soro. Hein. Parce que autant de mon patron lui-même, il a parlé pire que ça. Donc, Blégoudé n'a même pas remboursé. Parce que quand la tortue Ndiaye lui a dit, hein, et il a mis sa vidéo pensant que Blégoudé va réagir dessus. Il faut le voir comme pou. Tu sais, eux là, ils n'ont pas de tenue. Ils n'ont pas la manière. Et faut le voir avec ses dents, on dirait râteau, gada gada. Gri, 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 gri. Alors, Charles Blégoudé, ils sont tellement effrontés. En ce moment, quand Charles Blégoudé
Fini de répondre et puis il met proverbe derrière là. Hein, c'est là que tu vas attendre la femme sort à la maison. Ben alors, tant, 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 vous là, dans au moins, vous là, vous qui êtes assis sur le pays là, comme pour vous là, et puis vous pensez que vous pouvez dire, vous pouvez faire ce que vous voulez là. Aya Terele, Aya Lolo de Bola, Oh, faites seulement. Nous, tous les Ivoiriens, on est fâchés contre vous. On vous boude. Parce qu'on ne peut pas être amnésique comme ça. Se lever, faire une rébellion, venir s'asseoir là. Et puis, rébellion, vous apprenez tous ces trucs que vous avez que vous ne méritez même pas. Et puis, les Ivoiriens qui étaient assis tranquilles dans leur coin, qui ne vous ont rien demandé, vous dites que vous ne portez pas Boubou, vous ne portez pas Frontier. C'est à cause de ça que vous êtes venu faire par là. Maintenant, vous-même, vous êtes venu vous asseoir là. C'est quoi vous montrer aux Ivoiriens? Ivoirien, si tu es Boussoumane là, tu n'as plus de boulot, tu n'as plus rien, tu n'as pas une faveur. Tu vas dans leur bureau même là, ils te demandent qui t'envoyait. Ils n'en ont donc comment. Et puis, ils te dévisagent. Les quelque chose comme ça là, ils te regardent du haut en bas. Vous n'avez pas dit vous êtes Ivoirien, n'importe quoi. Et puis, ils te calculent même pas. Ceux qui sont partis à l'école, qui roulent les airs, qui sont devenus quelqu'un là, ceux-là, ils n'animent pas. Hein. C'est les dents des ratons là. On dirait, ces dents, on dirait clangla. Vous connaissez ce que les Bavlois appellent clangla, clôture du village qui est presque cassée là. Clôture du village qui est presque cassée là. C'est ça, un laid comme ça. Une vilaine personne, une laide personne. Et un type avec un design difficile. On dirait, va chercher Pôle emploi de M. Alassane Ouattara. Son visage est difficile, on dirait, Pôle emploi de M. Alassane Ouattara. C'est celui-là qui s'assoit là, qui pour narguer les Ivoiriens. Après, il y a un qui est dedans, il se dit qu'il est quelqu'un de droit. Oreille, on dirait, pour chat. Venir s'asseoir là, on dirait que Dieu ne voulait pas lui donner oreille. Venir s'asseoir là, c'est lui, il connaît ses faux. Faux droit là. En temps, les maîtres associateurs Bamba Lamine sont docteurs en droit et puis ils sont assis ici. Et puis, on nous insulte dans notre pays. Non. Qu'à venir répondre, Soro n'a qu'à venir répondre à la justice. Quelle justice? Justice avec des gens qui lisent votre. Seul juge, seul avocat qu'on envoie à la haine n'a pas pu dire un mot avec Yomo glacé dans sa tête, il se promène pas toi, un mot de Pelé, raide dans sa tête, il se promène, qui est devenu le seul juge. Entend les enfants des Mathieu et Écras, des trucs qui sont partis à l'école, qui sont devenus des grands maîtres, des juges. Cela, on n'en nomme pas. Hein. C'est les Lakalfa. Les Lakalfas, ceux qu'on a fait théâtre pour aller au nord pour dire laisser les enfants partir à l'école, qui sont passés derrière dans la cour de la justice pour être magouillés dans le bureau des gens, magouillés, venir prendre les papiers, aller falsifier les papiers pour venir donner aux Ivoiriens. C'est ceux-là qui sont devenus aujourd'hui les juges et les avocats. Et puis ils sont assis sur les plateaux télé pour naguer les Ivoiriens. C'est Dia Oumawatra. Mon fils chéri, sois salié. Inès, Inès, depuis ton bord. C'est cela. David Diakité, sois salué. Dicolo, hein, ça va? C'est cela. Si vous parlez dans votre télévision vêtement, écoutez, vous venez à télé pour tous ici, là. La télévision de la rue. Je vais vous qualifier. Toi, tu as l'argent comme ça, là, hein, la tortue niga. Tu peux aller dans un coin de cabinet, dans un cabinet dentaire, tes dents de clôture qui sont presque cassées là. Ils vont aller aligner tes dents. Arrête d'effrayer les Ivoiriens à la télé. Et puis, comme tu es laid, quand tu parles avec la force dont tu ouvres tout ce que. Et tout ce que tu appelles né là, tu ouvres ça comme ça, né là n'est pas bon comme pour moi là déjà. Et puis tu viens ouvrir ton nez là comme ça, sur redevance télé des gens. Souvent, est-ce que vous partez
quand vous arrivez chez vous, vous vous regardez à la télé, vous les animateurs, les nouveaux animateurs, les animateurs qui sont venus remplacer tous les babas cool jusqu'à ils n'ont pas pu tenir, ils sont morts là. Tous ces animateurs fabriqués, animateurs Covid, là, pour venir s'asseoir là, pour l'ouvrir devant des intellectuels. Vous l'ouvrez et on vous paye avec notre argent et vous n'êtes même pas capable des Ivoiriens qui n'ont pas de compassion. Ils ne sont même pas capables de dire que nous sommes en démocratie, vraiment, si ce veut venir, n'a qu'à venir répondre à la justice. Quelle justice? Votre type a un homme glacé. Il a été, il allait jusqu'à derrière, monsieur, Laurent Gbagbo et Blé-Goudé, pour pouvoir les juger là-bas. Il a trouvé, ils ont trouvé des avocats, des vrais. Pas les démarcheurs magouillards. Ils ont trouvé les vrais avocats là-bas. Ils ne se sont même pas présentés. Ils ont fui. Leurs français, même, ils peuvent. Tous les synonymes, ils viennent nous donner sur les plateaux télé. C'est français, ça. Vous parlez pareil que Elono Kwame. Donc, calmez-vous. Pays-là, ce n'est pas pour vous seulement. C'est de cette façon-là. Autant de Konan Bédié, Guéï Robert, Laurent Gbagbo, vous avez dit que on vous. On vous considère pas. C'est de cette façon-là. Vous les viez du tout comme ça là. Vous venez manquer de respect aux gens. Jusqu'à même s'ils veulent appeler Monsieur Laurent Gbagbo là, ils vont venir le banaliser, des fafouilles, des rienneux comme ça, des dormeurs dans boutiques qui ont poussé les bacs à rapide. Ceux-là, aujourd'hui, c'est nous les Ivoiriens. Voilà comment. Je dis que nous, on n'a qu'à s'entendre. Parce que c'est notre désaccord là qui fait que ceux-là que tu manges derrière la cuisine, tu lui donnes et puis la patiente là. Tout cela vient nous parler. On n'a qu'à s'entendre. Parce qu'aujourd'hui, là, la peur a changé de camp. Soro a dit, il est fatigué de l'exil. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne dorment pas. C'est hélico qui se promène partout sur leur tête. Hélico. Pour des gens qui disent qu'ils sont sereins, hein, vous n'êtes pas sereins. Vous n'êtes pas serein. Si vous n'arrêtez pas vos télévisions de l'enfant de la première dame, là, si vous n'arrêtez pas de manquer de respect aux Ivoiriens, de la même manière, les Africains et les Ivoiriens vous suivent. Déjà, même tellement vous énervez tout le monde, votre télévision est devenue pour vous seulement. Nous, là, les réseaux sociaux, télé pour tous, là, on est plus suivi que vous. On n'est plus suivi que vous parce que vous, là, vous êtes que pour le président. Et puis, oui, ils sont pas, les Ivoiriens qui sont en erreur ne sont pas patriotes. On va être patriotes avec les Tortues Niger, les Sor Kamoussos qui sont sur, qui sont venus s'asseoir. Avec les télévisions, on crée, on ne sait même pas. Ils n'ont pas de sujet. C'est quand quelque chose se passe. Si Elona s'habille mal, c'est ça, ils vont aller mettre leur télévision allumée là. Pour parler des Ivoiriens. Qui est venu sur mon direct? Est-ce que moi j'ai appelé quelqu'un ici? Vous êtes trompé, hein? Voilà. Moi, je n'invite pas. Donc, vous voyez des rienneux comme ça, des n'importe quoi comme ça, hein? Ils se permettent des choses parce qu'ils ont fini de payer les vestes et des cravates, des gorgies à jamais là, ils vont finir s'asseoir là, tellement ils n'ont jamais mis, ils ne savent même pas comment nouer cravate là. Peut-être même qu'arrivé là, la speakerine a regardé un peu pour dire oui, ça va, et bien c'est Katara. Et puis ils viennent s'asseoir là pour insulter les gens. Ou Fouet Bayon, t'as fait quoi? On a fait quoi? Vociférer, vociférer, et ils trouvent que c'est nous, on est méchants. Pourtant, moi, c'est avec mon téléphone, je parle, mais vous, aucun respect pour les Ivoiriens. Vous prenez la télévision pour prendre des filles qui sont venues être dans les hôtels ici. Je dis hôtel, je ne sais pas quel métier ils faisaient, qui foutaient rien. Eux aussi, demain, ils vont parler d'allocation dans leur télévision, alors qu'eux, ils vivaient d'allocation. Nous, les Lono Kwame, on travaillait et puis on les payait. Avec les enfants sans père, ils ont fait là.
Ils sont couchés ici aujourd'hui. Elles sont devenues des animatrices et ils vont parler de Soro. Votre télévision là, regardez-vous bien. Vous pensez que vous êtes les seuls comédies là. C'est nous, on a commencé. Et puis vous nous appréciez et puis vous êtes venus dedans. Si tu es femme là, il faut dire non de Soro. Il ne faut pas parler en parabole. Hein, parce que quand moi, je vais parler, je ne parle pas en parabole. Il faut sortir non de Soro. Il est venu te prendre une photo ici. Il a te caricaturé même là. C'est parce que les gens vont te citer, ils ne te parlent pas. Cette télévision-là qui est devenue, M. Alassane Ouattara, aujourd'hui, il a accouché toute la Côte d'Ivoire. Même toutes les vieilles farfelues, les traînées de Paris là, sont devenus aussi les enfants de M. Alassane Ouattara. Ils sont là. Et les PD d'ici là, eux tous, ils sont devenus le fils de M. Alassane Ouattara. Ils ont oublié leur cul ici. Ils sont partis en Côte d'Ivoire. Ils sont sur les réseaux sociaux aussi. Ils vont insulter Soro. Vous connaissez pas la chose. Quand on prend de là, il y a certaines choses, on n'a pas envie de sortir. Mais de la manière, votre bouche est ouverte là. Pour tout le monde est déchiré. Mais nous, déjà, là, on a presque gagné notre combat. Donc, on n'a pas besoin d'enlever chemise pour aller faire parler. Donc, c'est pour ça qu'on vous regarde. Quand votre temps arrive là, je fais ça toujours dans ma vidéo. Je dis à la fin, au soir de votre règne là, vous allez commettre beaucoup de bêtises. C'est ce que vous êtes en train de faire. Ça fait honte que dans un pays, on ne fasse pas confiance à sa propre armée et puis on s'en va louer ailleurs pour venir se promener sur les Ivoiriens. Et donc, vous avez cru que quand vous allez avoir la communication, c'est-à-dire la télévision, et tout, vous allez couper les Ivoiriens du monde et on va vous suivre. Non, nous, on a notre télé pour tous ici. Voilà. On a notre télé pour tous ici et on va vous répondre. Un à un, on va vous répondre. Et puis, je ne sais pas pourquoi cette télévision n'arrive pas à recruter de belles personnes. C'est des personnes au passé lourd. Leur passé est lourd comme ça. On dirait béton. Leur passé là, ça peut représenter l'Afrique. C'est ceux-là qui se lèvent aussi. Ils s'asseyent là-bas et puis ils parlent des gens. Pourtant, eux-mêmes, ils n'ont pas de vie. À Paris, ici, là, elles-mêmes, là, elles n'ont pas de vie. Et puis, ce sont ces autrui-là qui se croient tout permis. Non. On a assis ici. École de grand-mère, là, c'est moi. École d'injure, là, j'ai ça aussi. Donc, les gens qui s'asseyent, qui veulent discuter avec vous, je dis, vous qui êtes assis sur votre NCI, pourquoi elle dit non de ce truc-là? Vous pensez que vous êtes arrivé et puis vous parlez là, Soro en parabole. Prenez note. Hein. Prenez note. Moi, je n'ai pas dit, je vous fais ça, mais prenez note. Hein, parce que la même chose vous dites là, je vais vous rappeler dans pas longtemps. Parce que moi-même, j'ai créé émission aussi. Voilà. Sur Gbagbo, il y avait eu émission, il y a eu animatrice. Sur Soro aussi, il aura émission et puis animatrice. On prépare. Parce que moi, je suis assis dans ma télé pour tout ceci et prépare. On ne va pas pleurer. Voilà, on va s'amuser. Quand j'ai eu télévision cadeau, si tu prends ton téléphone pour faire ta vidéo, et puis tu parles de ta petite vie là, on ne va rien te dire. Mais devant ce que moi, mes parents payent aussi, tu as venu t'asseoir là pour raconter ta vie d'immigré, de merde que tu n'as pas pu supporter, et puis tu es habillant là. Pour parler de ça? Non. Quand une vidéo devient trop longue, ce n'est pas bien. J'attends. Ils sont forts d'en parler. D'abord, je suis forte dans direct. Quand les gens ils vont sortir Soro là, ça va venir. Ne dites pas
Pas qu'il y en a qui sont venus, ils sont là-bas, hein. Faut sortir la chose. Tu es femme bien. Faut sortir. C'est que tu as là, ça est à l'endroit, non? Faut sortir. C'est toi qui as tout. Tu as tout. Papa, maman. Faut sortir la chose. Rien ne comme toi, là. Hein? J'espère que tu as mis beaucoup de côté. Parce que ici, là, il n'y a pas métier. C'est maintenant que tu vas venir. Encore, vous allez venir encore pour faire soleil ici. Digérez doucement, oh. Voilà. Digérez doucement. Moi, je suis là, je ne suis pas pressé. Je suis comme la vie. Voilà. Je suis pas pressé. Si vous prenez la télévision des Ivoiriens pour faire Kondrova, il y a Fawakaétine. Des gens comme ça d'origine, ça fatigue trop les gens. On va se moquer des Baoulés sur la télévision nationale, alors que toi-même tu n'es pas Baoulé, tu portes notre nom pour rien, tu n'es pas Baoulé. J'ai dit, parlez seulement. J'ai dossier en béton de chacun. On va venir, on sait le faire, hein, décortiquer, mais pour l'instant, c'est notre patron qui nous intéresse. Au moment venu, là, on va décharger le bagage de quelqu'un et puis on va enlever son colis pour lui donner. Si c'est fou, hein. Si ce chers frères et sœurs, soyons ensemble. Si nous sommes forts, nous sommes unis, on sera très forts. Sarah, ça va? Je sais pas. Bon, je vais voir ton nom après. Ok. Si ce chers frères et sœurs, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas intimider. La paix a changé de camp. Si tu vois que les activistes sont comme les magnans sur tous les directs en train d'aller participer, alors que vous ne comprenez pas français comme. Vous ne comprenez pas français comme Eleonore Kwame ici. Quand les gens ils font leur débat d'idées, eux aussi ils vont aller là-bas pour inciter les gens. Aucune personnalité. Des gens comme ça aussi. Hey, monsieur Ouattara, tu n'as pas eu de bonnes personnes pour te suivre, tu n'as pas eu de bons militants. Il y a des bons militants, hein, mais les zozos qui se promènent là, qui se promènent comment on les appelle même, hein, fatigués là, qui n'ont pas d'avenir ici, qui sont allés rester là-bas là, et aussi ils vont parler de nous. Ah! Non, Côte d'Ivoire là, vraiment, Côte d'Ivoire fait semblant. Oscar Dibi. Sois salué. Hein, bon, je vais vous laisser. Hein, Kwasi Justin, Kwasi, sois salué. N'aie pas peur de quelqu'un. Restons dans notre silence là. Regardons-les. Ils vont se battre tout seuls. Ils vont se débattre partout. De toute façon, leur bouche qui ne reste pas tranquille, ils ont pris pour mettre dans toutes les affaires des autres côtés là. Vous n'avez pas dit que vous êtes garçon. Vous allez crier seulement. Pardon. Comment on peut être au pouvoir et puis on ne peut pas être serré? Et puis on se promène partout, les Eleonore qui ne sont pas au pouvoir, qui ne sont pas ministres, qui ne sont pas quoi? Hein? Vous allez venir sur leur direct pour inciter. Gervais Gbao, sois salué. Sidi Ké Traoré, depuis ton bord. Hein? Si Mali parle, vous êtes là-bas. Si Cameroun parle, vous êtes là-bas. Nous sommes, les gens, ils sont en train de, les intellectuels font leur débat d'idées. Vous partez là-bas. Si c'est Franklin Niamsi qui a parlé, faut aller parler du Cameroun. Pourtant, c'est des gens, ils sont pas racistes comme ça. Eux-mêmes, qui sont des Guinéens et Maliens d'origine, c'est eux, ils vont dire à Franklin Niamsi, faut aller parler de ton pays. Pourtant, vous-même, vous en avez pas en Côte d'Ivoire. Adenizi, soit salué. Vous, les militants de Ouattara, là, les vrais Ivoiriens qui sont dedans, ça pèse combien? Ça pèse combien? Et puis, c'est vous allez venir. Comme eux, ils sont étrangers, ils veulent forcément qu'ils soient Ghanéens. Mais moi, dans l'histoire, mes aïeux étaient Ghanéens. On est quitté au Ghana, la reine, pour venir ici. Cette histoire-là, c'est pas caché. Mais c'est vous qui cachez pour vous, Bekwamti. Adenizi, ça va, ma chérie. Donc, chers frères et sœurs, les militants de M. Alassane Ouattara sont comme la viande du chien. Si tu regardes dans l'oreille du chien, là, tu ne mangeras pas de sa viande. C'est comme ça ils sont. Ils viennent se couvrir
avec le nom de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, ils portent même pas nos noms, mais c'est eux, ils prennent notre nom, là, pour aller donner aux Camerounais, ils nous insultent, ils prennent notre nom, aller donner à d'autres personnes pour nous insulter, pour nous insulter. Alors que vous n'êtes pas ivoirien, vous avez profité juste des papiers d'élection. Donc, vous pensez que la Côte d'Ivoire, ça n'appartient pas aux Ivoiriens. Mais diamou. Sur ce, soyez salués, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je préfère les parler bêtement, comme ça, ils viennent nous parler bêtement. Hein? Ils voient mes narines comme ça. Comme façon, ils aiment qu'on mette les femmes en prison, ils vont les violer. Hein? Comme ils ne peuvent pas avoir femmes comme moi, là. Eux, vous pensez que les mamans des gens, vous avez violé, les enfants des gens que vous avez violés, ils vous connaissent, ils vous reconnaissent. Vous allez voir comment ça a sonné dans le pays, là. C'est à cause de ça que vous avez eu peur, vous dites que vous. À pouvoir nettoyer, on va partir en exil. Ah bon? Donc, avant tout, là, nous, on est en exil, autour d'autrui, vous voulez profiter de quoi? Chargez ce que vous avez à charger. Avant, vous pouvez aller au Mali, vous avez gâté là-bas. Vous pouvez aller au Burkina, vous avez gâté là-bas. En Guinée, vous avez gâté. Niger, on ne parle pas. Donc, vous là, vous êtes perdu comme paquet d'Akiké dans le désert. Je ne sais pas où vous allez chercher grain. Donc, nous là, au lieu de faire doucement, doucement avec nous, on va vous donner petit, petit cocotas tous les matins. Vous voulez jouer avec nous, les maîtres de la Côte d'Ivoire. Nous sommes les maîtres, maîtres. Oui, nous sommes les maîtres, maîtres des gens qui sont comme les furons. On ne sait pas où les placer. Ce n'est pas sous aisselle, ce n'est pas d'abondance, ce n'est pas quelque chose. On ne sait pas où vous placer. Vous êtes comme furons. On ne peut pas faire quelque chose avec vous. Vous êtes nuisible. Vous êtes nuisible. Et d'autres, quand ils font des choses, tu les insultes, ils te ramènent à M. Alassane Ouattara. C'est le président qui insulte. Non, enlevez-vous un derrière président. Vous pouvez être président. Enlevez-vous, vous allez venir. Quittez là-bas, je vais vous insulter un à un, vous allez partir. Tous les matins, vous serez chez moi à la maison, tous les matins, et vous donnez un petit cocotat. Parce que vous êtes trop bête. On parle de la mondialisation, on parle comment l'Afrique va évoluer, comment bien vous êtes là, vous êtes des nègres de maison, et puis avec votre patron, on n'a qu'à vous suivre. Pourquoi on va vous suivre dans ça? Aujourd'hui, le Mali s'est défait, le Burkina est en train de se défait, et le Niger va se défait. C'est quoi de voir encore là? On n'a qu'à rester sous les pieds des gens. Quand vous allez être intelligent, et puis on va s'asseoir ensemble pour parler. Et si on n'est pas Ouattara, c'est qu'on n'est pas Ivoirien, mais Ouamouti. Vous allez voir. Tous les jours, je vais vous insulter. Sur ce, soyez salués. Bonne soirée à tous. Et paix en Côte d'Ivoire. Les gens là, Monsieur Ouattara, vous arrêtez de fatiguer les militaires français. Eux, ils sont ici là. Ils survolent un peu et puis ils s'en vont manger. Il ne faut pas les faire comme ça 24 heures sur 24. Il faut avoir confiance à tes propres militaires. Faut avoir confiance. Nous là, on est assis ici, Ivoirien là. On est devenu comme tes choses. Tu nous donnes cocotte, on est là. Tu nous fais ça, là, on est là. Chantal Plou, tu as payé du verre, tu viens d'arriver. Hein? Hélène Conan, depuis ton bord. Tu passes ici, on est là. Les gens, ils travaillent 5 mois, 6 mois, ils ne sont pas payés. Hein? Pourtant, on dit que on donne 1 milliard à la jeunesse. La jeunesse est là, lui-même là. On ne sait pas. Ils sont en train de gérer Kabine. Il n'y a rien à manger. Avant même, on gère Kabine. Maintenant, à cause des coupes d'Afrique, ils sont en train de Yamoussoukro, comme où ils sont en train de casser tout sur les voies. Alors que c'est ce que, comme il n'y a pas de travail, c'est ce que les femmes vendent en bordure de route là. C'est ce qu'elles prennent pour nourrir leurs enfants. Ça là aussi, même si tu es militant de M. Alassane Ouattara, tu ne peux pas défendre ce côté-là. On est en train de faire pont. Quand ils vont finir de casser là, et puis vous ne savez pas où vous allez être, dès qu'ils ont cassé les tables là, allez-y monter sur le nouveau pont qui est devenu votre point de pèlerinage là. Vous allez aller vous mettre là-bas, vous allez vous aligner comme si on a gagné la coupe, vous allez être rassasié. Abouti.
On peut être con comme ça. Sur ce, les braves Africains, intelligents Africains, soyez salués. Vraiment, bientôt, je salue le Burkina qui est aujourd'hui sous les balles des gens qui ne veulent pas laisser le Burkina. Et donc, je vous dis, haut les cœurs au Burkina. Contre la féminité, il y a déjà 1000 ans, la rapacité venue de loin les a servis. Il y a 100 ans, les gens les servaient comme les messieurs à la Saint-Ouen. Sur ce, je vous dis haut les cœurs au Burkina, et tenez bon, bravo le Niger, bravo le Mali. Franchement, vous faites la fierté de l'Afrique. Quel que soit ce que ça va nous coûter, on va vous dire ça 1000 fois. Et on encourage les autres pays à être libres, à être indépendants. Et on a des vieux qui veulent nous laisser toujours en captivité. Et c'est ce qu'on n'accepte pas. On n'a rien contre la France. On veut avoir notre indépendance. Aujourd'hui, là, à l'Assemblée nationale, les députés sont en train de parler. Même si hier, je l'ai vu, il est venu dire que non, ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Je l'ai répondu, j'ai dit, l'essentiel, tu as sorti. Nous, on a compris ce qu'on devait comprendre. Sur ce, que Dieu bénisse l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Soyez salués. Au revoir.